Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Dans un instant, le coup d'envoi de cette demi-finale retour de Ligue des Champions, Line Park Francfort contre l'Olympique Lyonnais. Et oui, l'équipe visiteuse a obtenu un avantage à la maison au match aller. Le plan de jeu avait été respecté à la lettre. Le score reflète cette réussite totale. La recette de cuisine ici, c'est un 4-4-2 losange. Mais le plus important, c'est les ingrédients. Si vos poireaux ne sont pas bons, la soupe non plus. Voilà la compo pour l'Olympique Lyonnais. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Bien joué, elle remporte son duel. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Et ce ballon est dégagé, heureusement, parce qu'il y avait le feu. En très bonne position. Oh, le but! Le but de Génie Le Sommet! La légende de l'Olympique Lyonnais pour marquer! Revoit les images de ce but, le dégagement est raté, la défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu, tu fais quelque chose, ne reste pas comme ça à attendre. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Oran. Oui, le centre dans la surface. Attention, c'est pas terminé. Et finalement, pas de danger. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. En bonne position. Et oui, c'est dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Frasnicard. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Oh, la passe, elle est complètement manquée.
Thomas Sommer. Ah, il y a la place pour une frappe. Et le petit ballon en rupture bien stoppé. La sortie est impeccable. Hein. C'était risqué, mais au final, c'est le geste qu'il fallait faire. Ah, le ballon est perdu. Seule intervention. Le Sommer. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est renvoyé. Eugénie Le Sommer. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Attention, ça peut payer là-dessus. Henri. Oui, bien joué. Le centre vers le premier poteau. Oh oui, quelle occasion et quelle parade. Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Super pressing et la récupération très haute. Et oui, c'est au fond, la démonstration continue. Nouveau but. Et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. Regardez, il est magnifique cette passe laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Et oui, signalé en position de hors-jeu. Et voilà, un ballon bien intercepté. Ouais, facile, ça passe. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin du but. Et ensuite, il n'en reste plus qu'à ajuster. Le score est donc de 4 buts à 0. Oran. Bonne lecture de la trajectoire. Le ballon est récupéré. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. C'est récupéré très haut ça. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. On le revoit. Le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. La finition est assez simple en réalité. Le ballon est en l'air, mais la défense ne parvient pas à intervenir. Tête et ballon au fond de filet, simple, basique. Et c'est une manita, ça fait maintenant 5 buts à rien. Attention à ce centre. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période.
demi-finale retour de Ligue des Champions. C'est parti. C'est parti pour la deuxième période dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Delphine Cascarino. Pas bien donné ce ballon et ça passe au-dessus de tout le monde. Et le ballon est récupéré. Ouais, la bonne intervention, touche. Intervention pour stopper l'attaque. Monsieur Kønüsken. Le sommeur. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Bonne compensation, la bonne couverture. Le ballon est repris. Malard. Ah, c'est pas bien défendu ça. Tir contré sans difficulté. Et le staff décide donc de faire un changement. C'est bien parti pour ce corner. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Sans difficulté pour la gardienne. Eugénie Le Sommeur. Parfait ce tacle dans la surface. Sauf qu'on subtilisait le ballon. Ah, c'est bon, un centre comme ça au second poteau. Et c'est capté, là sans trop de problème. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Kønüsken. Ballon pour Dorsun. Lara Prasnica. Oui, le bon geste défensif. Daniel Vandenonck. La frappe pour le but peut-être. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Cascarino. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Elle laisse échapper le ballon. Cascarino, le drapeau qui s'est levé, hors jeu signalé. La passe a été donnée trop tôt, ça lui a pas laissé le temps de se replacer. Et le changement est demandé et il a lieu. Super progression dans la moitié adverse. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute.
une minute d'arrêt de jeu minimum. Ouais, le pressing est efficace là. Ah, il y a très espace pour la tenter. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Ce qui compte pour marquer ce genre de but, c'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation!